Alors voilà, je voulais vous remercier pour les 800 abonnés, ça fait vraiment plaisir, merci beaucoup. Non, plus sérieusement, merci à tous pour les 800 abonnés sur YouTube et merci aussi pour les 1000 abonnés sur Instagram. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à mon compte Instagram, n'hésitez pas à y aller. Alors aujourd'hui, j'ai tourné cette vidéo en avance puisque le jour où vous voyez cette vidéo, je suis actuellement au Geek Day à Lille. Je vous mettrai une petite photo juste ici. Donc voilà, aujourd'hui, on se retrouve pour un tour de magie. J'espère vraiment qu'il va vous plaire. S'il vous plaît, vous n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi, je vous souhaite bon visionnage. Parfait, vous allez s'il vous plaît choisir une carte, n'importe laquelle, vraiment celle que vous voulez. Et vous allez la montrer à la caméra afin que tous les abonnés puissent la voir. Parfait. Je vais maintenant passer les cartes par petits paquets et vous allez me dire stop quand vous le souhaitez. Stop ici. Parfait, est-ce que vous voulez bien remettre votre carte? Merci, et je vais continuer à passer le jeu par petits paquets afin de perdre votre carte dans le jeu. Et maintenant, en faisant un petit geste magique, normalement, une carte va se transformer, regardez bien. Une seule carte devient rouge. Votre carte, elle n'était pas rouge au début. Et si on regarde votre carte, c'est bien évidemment celle que vous avez choisie. Le 3 de cœur, c'est bien ça. Bon alors, le 3 de cœur, on n'en a plus besoin, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le poser sur la table et on va le laisser juste ici. Je vais vous faire choisir une autre carte, mais cette fois-ci d'une manière différente. Je vais passer les cartes et vous allez me dire stop quand vous voulez. C'est parti. Stop ici, parfait. On monte la carte, 9 de carreau. Et ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est que c'est vous qui allez faire la formule magique afin de transformer la carte. Parfait. On va regarder si la carte est réellement transformée. Alors, des fois elle est un petit peu cachée, on va regarder, on va étaler toutes les cartes. Et normalement il va y avoir une seule carte rouge. Alors, pour l'instant je ne vois pas de carte rouge. Vous ne voyez pas une carte rouge? Vraiment pas de carte rouge? Est-ce que vous en voyez une? Ah non, celle-ci c'est le 3 de cœur. À moins que ça soit le 9 de cœur. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça aide toujours, et à vous abonner à la chaîne YouTube. N'oubliez pas aussi le petit Instagram dans la description. La semaine prochaine, j'aurai une question à vous poser. Je vous mettrai en sondage dans la vidéo. Nous, on se dit rendez-vous dimanche 18h30. Ciao!